Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Denise Bombardier, écrivaine, journaliste, chroniqueuse. On est très heureux de vous recevoir ici, Denise, à la bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny. Vous savez que votre livre, vos mémoires, Une vie sans peur et sans regret, était notre livre du mois ici, Ah au Club bon? de lecture de Repentigny, au mois de juillet. On voulait vous inviter à ce moment-là, mais évidemment, à cause du contexte et tout ça. Donc, on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, même si c'est virtuellement pour le public. Habituellement, on aurait été entouré de quelques 50 personnes, c'est toujours chaleureux, mais Oui. quand même, on est là et on est très content d'y Oui, je être. regrette le contact parce que moi, je ne crois pas à la virtualité. Je ne crois pas aux vertus de la virtualité. Je crois à l'efficacité quand on n'est plus capable de faire autrement, ce qui est notre situation aujourd'hui. Voilà. Mais autrement, non, non, moi, j'aime ça parce que j'aime le contact avec le public en Oui, tout à plus. fait. Et l'échange avec les lecteurs et les lectrices, ça, c'est Mais vous exceptionnel. savez, après la diffusion de cette entrevue, de cette rencontre, on va demander quand même aux gens de, s'ils veulent, ils vont pouvoir réagir sur notre site, sur les médias Ah, d'accord. sociaux. Très On va bien. pouvoir continuer une conversation parce Oui. qu'habituellement, quand on fait ce genre d'entrevue, après, le public intervient, pose des questions, fait Oui, des oui. commentaires. Donc, on va pouvoir prolonger Ah, quand excellent. même Parfait. ce moment-là. Alors, donc, on est là pour parler de ce livre, Une vie sans peur, sans regret, paru aux éditions Plon en 2019. Ce sont vos mémoires, je l'ai dit. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça y est, je raconte ma vie? C'est plutôt une autobiographie que des mémoires. Parce que les mémoires, j'aurais dit, ben voilà, en telle année, j'ai interviewé telle personne. Parce que moi, j'ai interviewé quand même des personnalités exceptionnelles au cours de ma carrière. Des chefs d'État, des dirigeants, des plus grands dirigeants d'entreprise, les plus grands artistes, les plus grands écrivains. Bon, mais c'est pas ça. Je voulais raconter, oui, je voulais raconter le Québec. Et la France, puisque j'ai des liens très, 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 très proches avec la France, et je regrette que les gens, qu'on ne l'ait plus dans les générations de maintenant, eh bien, je voulais aussi raconter cette histoire-là et raconter mon histoire À travers à ça, travers le Québec et à travers la France, à oui. travers l'évolution aussi du Ah, ben Québec. oui. Donc, on vous suit à partir de votre naissance à Montréal. Vous dites que vous êtes dans une famille, bon, milieu modeste. Vous dites culturellement pauvre. Donc, vous naissez en 1941. La religion au Québec est omniprésente. Et en fait, ce que vous racontez dans ce livre-là, c'est à quel point vous vous en êtes sorti, vous, par l'éducation. Par les études, en fait. Je suis une résiliente, il faut dire. Pas seulement par les études. C'est sûr. Ma mère me disait, la vraie richesse, c'est de savoir des choses. Et elle me disait, c'est de savoir plus de choses que les gens autour de nous. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est que si on reste dans un milieu où les gens ne sont pas très éduqués, c'est sûr que c'est pas porteur de créativité par la suite sur le plan des connaissances, là. Et puis d'aller vers la lecture, d'aller vers les arts. Bon. Et elle voulait que je m'en sorte. Parce qu'elle considérait que ça n'en était pas sorti. Parce que le rêve de ma mère, qui était la 11e d'une famille de 11 enfants, c'était d'aller à l'école longtemps. Elle était allée à l'école 11 ans. 11 années de scolarité Quand à même cette pour époque-là, l'époque, c'était, oui, absolument. oui. Mais pour des raisons personnelles que j'ai apprises beaucoup plus tard, elle a arrêté après la 11e année. En fait, ma mère était enceinte de moi. Et ça explique beaucoup, et j'en ai parlé, j'attendais qu'elle meure pour en parler, vraiment, de mon rapport très, très compliqué avec elle. En un Oui. sens, elle a raté sa vie quelque part à cause de moi. Parce qu'elle aurait voulu continuer les études, et comme elle était la dernière de la famille et qu'elle avait des sœurs qui étaient gentilles avec elle, elle aurait pu aller plus loin. Puis elle l'a jamais. Mais même sur son lit de mort, elle a pas. Je lui dis, écoute, maman, franchement, c'est pas à cause de la religion que tu trouves que c'est terrible ce que tu as fait. Tu n'as rien fait, t'es tombée enceinte. Jamais elle ne me l'a dit. Enfin, toutes mes tantes me l'ont Elle ne dit. l'a pas admis. Ah non, non, elle l'a pas admis.
Non. On se rend compte dans votre livre, Denise, à quel point, effectivement, c'était une relation compliquée. Vous avez été des années à batailler un peu avec votre mère. J'ai bataillé tout le temps avec ma mère. Ouais. Et ma mère m'enviait parce que c'est vrai que les mères peuvent envier leurs filles. Ma mère, elle m'enviait parce que j'étais ce qu'elle n'avait pas été. Et ça a été au-delà de ça parce que j'ai dépassé ses propres rêves. Je me souviens le jour où j'ai acheté une maison à Outremont. Parce que moi, personne ne va venir me dire, mon Dieu, tu habites une belle maison, tu es dans un beau quartier. Tout le monde pense. D'ailleurs, on a pensé très longtemps que moi, j'étais élevée avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pas du tout. Je viens d'un milieu, puis c'était des gens qui se bagarraient pour vivre. C'était un milieu difficile. C'était très particulier comme atmosphère. Les femmes buvaient beaucoup dans ma famille. Les femmes buvaient. Les hommes aussi, mais les femmes buvaient. Et ma tante Edna, ma chère tante Edna, qui est une des femmes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans toute ma vie, ma tante Edna, elle buvait, mais c'était incroyable. Et elle aimait faire elle descendait dans la rue et elle faisait des esclandres. Elle théâtralisait. Cette espèce de folie. Mais c'est drôle parce que vos tantes ont été très, très importantes, on le sent aussi dans votre vie. Très importantes pour moi, oui. Pour, souhaitant que, oui, vous sortiez de votre milieu, que vous maîtrisiez la langue française. C'est-à-dire que c'est ma mère qui était comme ça et elle trouvait que c'était une bonne idée parce qu'elles aimaient que je sois sûre de moi et tout. Et elles ne voulaient pas que je sois comme elles parce qu'elles étaient, elles avaient... Ma tante Lucienne m'a dit, tu sais... Si j'avais été une juive, parce que moi, j'ai été élevée dans le culte des juifs. Maintenant, Lucienne travaillait au Square Philippe. Elle repassait des robes dans une manufacture qui appartenait à des juifs. Et ma tante Edna avait été bonne dans une famille juive très religieuse quand elle avait 12 ans. Vous voyez, ils ont arrêté l'école très, très tôt, mes tantes. Et elles avaient été très impressionnées et très bien accueillies. Et ma tante Lucienne m'a dit, si on était juive, je peux te dire qu'on aurait été à l'école. Mais c'est drôle parce que vous avez écrit un livre, un roman, à partir de l'histoire de vos tantes. Oui. Où vous les avez, jusqu'à quel point, romancées. Donc, le titre, c'est « Edna, Irma oui. et Gloria oui. », paru chez Albin Michel. Oui. Et celle qui s'appelle Gloria, en fait, parce que là, ça allait bien, parce que les deux autres tantes, c'était leur nom, elles s'appelaient Lucienne, c'est la plus âgée, qui n'a pas été mariée. Et aucune de mes tantes n'ont pas eu d'enfants, en plus, moi. Dans la famille, c'est drôle. C'est sûr. Et ma tante Edna, elle me disait, tu ne seras jamais comme les autres. Tu es meilleure que tout le monde. C'est incroyable chez ces femmes. Mais ces femmes-là, elles sont mortes enragées. Parce qu'elles savaient qu'elles étaient déclassées parce qu'elles n'étaient pas assez instruites. Alors moi, après, quand on a voulu me percevoir comme ce que je n'étais pas du tout... C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire comme une bourgeoise. Et quand je suis arrivée à l'université, que j'ai vu tous les étudiants à l'université, à mon époque, moi, dans les années 60, j'aime autant vous dire que les gens, ça venait des milieux pas seulement aisés, mais plus snob aussi. Je veux dire, ils avaient la conscience de leur classe. Eh bien, moi, tout ce que je voulais, c'est de connaître des choses. J'étais vraiment, ça a été la passion de ma jeunesse, de connaître des choses. Et donc, avec vos tantes, vous aviez cette relation assez privilégiée. Vous avez, elles étaient mortes quand vous avez écrit ce livre, ce roman. Ah oui. Hein? Vous n'auriez pas pu l'écrire si... Non. Pourquoi? Mais parce qu'elles n'auraient pas compris le livre. Elles n'auraient pas compris à quel point je leur rendais hommage. Peut-être. Ça le dirait non. C'est très, très difficile. C'est pour ça qu'il fallait bien que ce livre-là, ce soit un livre que j'écris beaucoup plus tard dans ma vie. Mais même quand j'ai écrit Une enfance à l'eau bénite, ma mère, les gens demandaient à ma mère, alors vous l'avez lu son livre? Elle disait non, non. Mais vous savez, tout ce qu'elle vous écrit, là, tout ce qu'elle écrit dans le livre, c'est tout des mensonges. Parce que ma fille, elle a beaucoup d'imagination. Et elle disait en même temps qu'elle ne l'avait pas lu. Oui. Alors, je ne sais pas si elle l'a lu ou pas. Mais je ne sais pas si elle l'a lu ou pas. Probablement, je ne suis pas sûre qu'elle a tout lu, en tout cas. Mais c'est vrai que, moi, ça a été ma force. Et c'est pour ça que, moi, je ne me suis jamais sentie comme une victime grâce à mes tantes qui ont été des victimes, finalement. Oui. À bien y penser. Et je n'ai jamais cru, comme j'ai encore écrit récemment, parce que...
Vous savez, mon féminisme à moi, je l'ai mené. Moi, personne n'a des leçons de féminisme à me donner. À partir du tout début, j'ai jamais cru que les garçons étaient supérieurs à moi. Jamais j'ai cru ça. Et je me suis dit que j'y arriverais. Mais je n'ai pas pleuré quand je me faisais interpeller parce que j'étais une femme et qu'on disait de moi. Par exemple, à Radio-Canada, quand j'ai commencé à faire des émissions d'information, j'ai été la première femme à faire une émission à qui on a confié l'émission d'information. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Et c'était l'émission fin aussi. Quelle année? Fin 70. Fin 70. Et là, quand j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on disait? On disait que moi, j'étais dans les journaux, ils disaient que j'étais très agressive. Alors que mes confrères, hein, Pierre Nadeau et les autres, on disait, ah, ils ont beaucoup d'autorité, et puis t'as vu, ils se laissent pas faire. Mais chez moi, ça passait autrement. Mais moi, je m'en fichais. Parce que si je m'étais mise à pleurer, il aurait fallu que je retourne à la maison aller tricoter. Donc, vous avez toujours décidé de passer par-dessus ces critiques qui sont encore parfois... Parfois? C'est pire que jamais avec les réseaux sociaux. C'est pire que jamais. Mais je ne suis pas une victime. Et c'est ça qui me fait de la peine, toutes ces jeunes femmes qui se croient des victimes à vie. Parce qu'une victime n'a pas d'autre avenir que le bourreau ou celui qui la contrôle. Moi, je suis une femme libre, vraiment. Et c'est pour ça que je dérange. Et en même temps, c'est pour ça que je suis... Tous les bonheurs de ma vie me viennent de ma liberté. J'aimerais que vous disiez quelques mots sur votre père, parce qu'on a parlé un peu de votre mère, de vos tantes. C'était là, dans ce cas-là, en tout cas, une relation très difficile. Oui, je crois que mon père était vraiment quelqu'un de très perturbé. Un homme qui ne s'adresse jamais à ses enfants, qui ne parle jamais, qui ne prénomme aucun de ses enfants. Ça s'invente. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Mais ça a été très difficile. Ça, c'est la grande douleur de ma vie, je dirais. C'est le manque. C'est un manque. Moi, quand j'avais 4-5 ans, on revenait en tramway de chez ma grand-mère, quand on y allait une fois de temps en temps, et je faisais semblant de dormir pour que mon père, en sortant du tramway pour descendre dans la rue de Guizot, parce que j'habitais la rue de Gaspé et de Guizot, là, dans ce qui n'est pas tout à fait la petite patrie maintenant, eh bien, pour qu'il me prenne dans ses bras. Mais les seules fois où mon père m'a pris dans les bras, c'est quand je faisais semblant de dormir quand j'avais 4-5 ans. C'est tout. Mais ça a été très difficile. Mais ce qui, pour moi, est le mystère, un autre des mystères de ma vie, c'est comment il se fait que voyant cet homme qui était d'une grossièreté, d'une violence verbale, mais jamais il nous a battus. Hein? Et puis jamais, les gens s'imaginent toujours, ah ben oui, mais de son père, c'est un père comme ça, ça doit abuser sexuellement l'enfant. Pas du tout. Mais j'ai jamais compris pourquoi je me disais, parce que c'est ça qui m'a sauvée avec les hommes. C'est ça qui a fait que mon parcours vers les hommes, et ce sont des hommes qui m'ont apporté aussi ce bonheur de ma vie. Je ne suis jamais dit que les hommes étaient comme mon père. J'étais sûre, enfant, j'ai de la difficulté à vous en parler encore maintenant, que tous les hommes étaient mieux que mon père. C'est fou, ça, quand même. Puis j'ai eu raison, en ce qui me concerne. On va reparler de vos rapports avec les hommes, parce que vous en parlez dans votre livre, et c'est très intéressant ce que vous dites. J'aimerais juste, avant ça, qu'on fasse un peu votre parcours. Comment vous en êtes venue au journalisme? Donc, vous avez étudié à l'Université de Montréal, oui. En sciences politiques d'abord. Oui, j'ai fait un baccalauréat, une maîtrise en sciences politiques. Après, j'irai faire le doctorat à Paris, que j'ai fait en sociologie, parce que mon sujet de thèse était plus près d'un sociologue français qui s'appelait Jean Cazeneuve, qui était connu, qui a été aussi, qui a fait des livres sur le sacré. Et après, il s'est beaucoup intéressé au phénomène de la télévision. Et j'ai fait ma thèse doctorat sur l'image de la télévision française à travers la télévision française. Donc, il y avait là quelque chose comme oui. projection. Mais avant ça, j'étais comédienne. Oui, très jeune d'ailleurs. 6 ans. J'ai eu un rôle dans un téléroman. Les premières fois, j'avais 12 ans. 13 ans, c'est comme ça que j'ai connu Louise Marleau. Et oui, j'étais comédienne. Vous auriez pu devenir comédienne? Oui, donc. Mais ce monde-là, moi, il fallait absolument
que je ne sois pas dans un monde qui ne fonctionne qu'à l'affectif. Parce que j'aurais perdu la boule. Il fallait que, moi, j'avais besoin de raisonner, parce que si je n'avais pas raisonné, j'aurais été brisée par cette déchirure de ne pas avoir de père, de voir comment mon père traitait ma mère, comment il nous traitait. Cette espèce de folie, mon père. Hein, il prenait les serviettes, là, puis il les lançait comme ça, puis il disait, « Allez, la servante, ramasse ça. » Alors, c'est pour ça, quand on a connu ça, eh bien, on fait son chemin soi-même vers la liberté. On ne peut pas attendre que d'autres femmes se joignent à nous pour des... parce qu'on ne veut pas le dire non plus. Il y avait tout ce secret-là. Moi, j'avais deux vies, et c'est pour ça aussi que j'ai de la distance critique. Et que je pourrais, et j'ai pu très souvent, et même encore aujourd'hui, dans mes chroniques, dans le journal de Montréal, où je dis exactement ce que je pense, mais j'ai toujours, parce que j'ai une distance critique, je pourrais souvent dire, non pas le contraire de ce que je pense, mais parfois presque oui. Apporter d'autres arguments. Apporter un autre regard. Parce que moi, à la maison, mon père, il descendait les curés. Il ne voulait pas qu'on aille à l'école française parce que c'était une école catholique. Donc, j'avais tout le discours d'un anticlérical violent. Ça ajoutait au fait qu'il était le diable, n'est-ce pas, à mes yeux de petite fille, puisque au premier abord, il ne nous manifestait aucune affection. Mais ça m'a permis de savoir que la réalité et les mots sont importants, mais que la vraie réalité, elle est derrière les mots. Donc, je savais qu'il y avait un autre discours, parce que le discours de l'école, je l'acceptais. Mais quand j'ai eu 16 ans, et c'est la fin de mon premier roman, Une enfance à l'eau bénite, je ne suis pas allée à l'église le dimanche. Mais mon père n'avait jamais mis les pieds. Il a mis les pieds à l'église pour ma première communion, mais il restait assis pendant que à l'élévation, il est resté assis dans le banc. Je veux dire, je suppose que ça devait lui être très, je sais pas, ça l'agressait. Pénible. Parce que mon grand-père, que je n'ai pas connu, grand-père Bombardier, était un anticlérical notoire. Donc, j'ai eu la double vérité. Et ça, c'est un cadeau qu'on fait à un journaliste. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Donc, vous vouliez d'abord être comédienne. Vous êtes tournée vers l'étude des sciences politiques, la sociologie. Ça m'a protégée. Parce que si j'avais été actrice, on disait de moi, d'ailleurs, il y avait eu des chroniques, disant des petites critiques à la télévision, que j'avais des vrais dons de comédienne. Mais je me serais perdue dans mes émotions. Je ne pouvais pas faire un métier où le fond de commerce de mon métier, c'était l'émotion, de jouer avec des émotions. Moi, les émotions, je devais les contrôler pour ne pas être débordée. Vous avez été, pendant vos études à l'Université de Montréal, très impliquée politiquement. Oui. Hein, d'abord, Parti libéral. Parti libéral en 1960, mais je n'ai pas eu le droit de vote, je n'avais pas l'âge de voter. Mais oui, parce que c'était... Et j'ai vécu, et c'est dommage, et je sais que les jeunes ne se comporteraient pas aujourd'hui comme ils se comportent, c'est-à-dire avec une sorte d'indifférence vis-à-vis de l'histoire, s'ils vivaient à une époque qui a été... Parce que vous savez, dans l'histoire, là, c'est des pans d'histoire, et c'est des évolutions, puis après, il y a des décadences, puis on repart. Mais c'est pas vrai que c'est le progrès tout le temps. Mais moi, j'ai vécu de grandes émotions. Parce qu'à 20 ans, nous, j'avais pas encore 20 ans, tout à fait, tout était possible. Tu sais, j'ouvre le journal un matin pour voir que la veille, on a créé le ministère de l'Éducation... Parce qu'on a enlevé le pouvoir, hein, le pouvoir politique a enlevé le pouvoir séculaire du clergé sur l'éducation. Une autre fois, tout à coup, on abolit la censure. Ça, c'est dans les années 60. Mais c'était formidable. On nationalise l'électricité, on est maître chez nous.
On a vécu ça et on était tous dans l'exaltation. Et cette génération-là est une génération, quand elle a été au pouvoir, ça s'est vu après. Donc moi, oui, j'étais... Et puis mon père disait que les Anglais étaient nos maîtres et qu'il fallait se plier et puis à parler anglais. Mais moi, effectivement, j'ai été aérienne. Et quand je suis arrivée à l'université, comme j'avais... Donc, à la fondation du aérienne, parti indépendantiste... Presque, oui. Oh, ben, au moment où il fallait le faire. Au moment où on ne pouvait pas avoir de travail si on disait qu'on était indépendantiste. En 1967, j'ai voulu travailler, et je le raconte dans mon livre, j'ai voulu travailler à l'exposition universelle, et le monsieur qui m'a reçu m'a dit « Est-ce que vous faites de la politique ?» J'ai dit « Non, pas du tout. Moi, je fais du journalisme. » Il m'a dit « Mais je vous avertis, c'est comme une radiographie, on va tout voir, nous, on a des moyens de tout voir. » Mais ils avaient les moyens de tout voir, parce que j'ai été refusée alors que je pouvais m'exprimer, j'étais capable de parler, je parlais anglais couramment, depuis que je suis petite que je parle anglais d'ailleurs, couramment, donc, et puis j'avais quand même fière allure, je savais parler du Québec, mais j'ai pas eu de job, évidemment. Mais l'aérienne, à l'époque, c'était important à vos yeux, là, c'est... Vous avez vraiment êtes impliquée. Ben oui, j'étais présidente de la section universitaire. Une fille. Ben, ne demandez-vous pas. Il y avait plein de garçons qui voulaient le job. C'est moi qui l'ai eu. Mais j'ai tout lâché avec la violence. Quand j'ai vu la violence. Et quand je suis partie à Paris en 70, et que j'ai vu ce que c'était que des gens qui prônaient la violence, j'étais inoculée pour la vie à toutes les possibilités d'expression, de changement politique par la violence. On est en démocratie. Il ne fallait pas confondre, et c'est ce qu'ont fait les membres du FLQ de l'époque. Ils se comparaient à l'Algérie, se comparaient aux Africains. C'était absurde, ça. Et pour moi, ce n'est pas une grande période où on a senti la révolution qui était en train de s'emparer de nous. On était dans l'aveuglement. Et en plus, c'était assez insultant pour ceux qui étaient dans les pays où il y a eu le colonialisme, dans les pays où ils étaient colonisés, les pays où ce sont des dictatures et des tyrans qui gouvernent, qui exerce le pouvoir plutôt, eh bien c'était quand même pas les respecter, de se dire que nous on était comme ça, quoi. Ça vous a pas empêché, en tout cas, Denise, de demeurer souverainiste. Les deux référendums, vous avez... Oui, mais je vais pleurer vous dire... sur le sort du Québec un peu, non? J'étais à Radio-Canada, c'était compliqué, puis j'étais en distance. Je vais vous dire, je suis oui, devenue... Oui, mais on sent dans votre livre. Je suis devenue... Oui, mais maintenant, je l'ai... Maintenant, vous pouvez le dire, maintenant. Mais je suis devenue amie avec Louise Beaudoin à la fin des années 80. J'ai fait la dernière entrevue avec M. Lévesque avant le premier référendum, c'est moi qui l'ai faite. Je faisais l'entrevue avec M. Ryan Laveille et M. Lévesque. C'était à Québec. Louise Beaudoin m'a dit, et c'était compliqué, je ne l'ai pas vu du tout, et je ne voyais pas les gens qui pensaient comme ça, je voyais personne pendant le référendum pour pouvoir faire mon travail correctement. Et elle m'a dit, je me souviens, on marchait dans le Vieux-Québec, elle m'a dit, je ne sais pas pour qui tu vas voter, mais je t'avertis, si tu votes non, je ne te parlerai plus jamais. C'est le plus beau compliment que je pouvais recevoir. C'était plus compliqué, mais c'était tellement plus confortable intellectuellement et professionnellement d'être comme ça. Moi, mes oreilles me cillent. Même encore aujourd'hui, les journalistes maintenant, à Radio-Canada, les journalistes parlent au jeu. Nous, on ne parlait pas au jeu. Nous, on disait, l'opinion, j'interviewais un ministre, l'opinion publique dit que... Avance que... Hein? Oui. Oui. Et on dit que... Nous... C'était pas moi, ce n'était pas important ce que je pensais. Mais c'était beaucoup plus facile aussi pour moi d'être non pas objective. L'objectivité, ça n'existe pas. Dans la distance, quand même. Dans la distance. La distance journalistique. Et je le suis encore. C'est important. Dans une société actuellement où c'est si... La dichotomie est devenue tellement terrible, violente même actuellement. Le simple fait de ne pas dire que j'appartiens à un camp ou l'autre, ça me fait passer... On me renvoie dans l'extrémité d'un camp automatiquement, vous voyez? Mais je m'en fiche. Vous imaginez bien que ça ne m'empêche pas de vivre, parce que je sais que la vérité,
elle est toujours dans la nuance, sauf sur les choses fondamentales. Il n'y a pas de nuance. On est pour ou contre la peine de mort. Ça, c'est clair. Hein, des choses comme ça. Ouais. Mais pour le reste, tout peut être nuancé. Mais vous carburez toujours autant à l'actualité. Oui. Vous faites des chroniques. Est-ce que vous vous voyez un jour cesser non. ce métier? Non. Si je cesse, vous apprendrez dans le journal que je ne suis plus là. À moins que je perde la tête. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas perdue, alors j'ai bon espoir de ne pas la perdre. Et puis dans ma famille, les gens ont perdu passion, la tête. C'est une grande passion, en fait. Mais c'est la passion de la vie. Moi, je vis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des détails de la vie. C'est les choses essentielles et c'est les gens près de moi. Et j'ai toujours été aimée. J'ai toujours aimé. J'ai passé ma vie à aimer. Je suis une amoureuse et puis je dérange aussi. Vous vous décrivez comme une amoureuse, grande amoureuse, passionnée. Je ne me décris pas comme ça, mais on me décrit comme ça. Bien, il me semble que dans votre livre, ça transparaît un petit peu quand même. Bien, quand on n'aime pas avec des réserves, n'est-ce pas? Oui. Parce que si on aime avec des réserves, on est dans le compromis. Oui. On ne peut pas aimer dans la compromission. On peut quand même faire des concessions. Dans la vie de tous les jours avec une personne. Mais le sentiment amoureux, ça ne peut pas être « Oh, ben je l'aime pas mal. » Non, ça n'existe plus. Si tu l'aimes pas mal, ben tu ne l'aimes plus. Alors, parlons-en de vos hommes. Donc, vous les décrivez un peu chacun. Bon, vous n'entrez pas nécessairement dans les détails, non. Mais avant qu'on en parle un peu, je me demandais si vous avez eu des hésitations à vous confier, à parler comme ça de votre intimité. Non, parce que j'ai les mots. Je sais écrire. Je sais ce que je veux écrire. Et moi, je suis quelqu'un de très privé, finalement, sur mes sentiments profonds. J'aime pas l'étalement des choses. Alors donc, je savais... Et puis je n'ai pas de regrets. Même les hommes qui m'ont fait pleurer, et il y en a, tous les hommes nous font pleurer. Quand on les a aimés, ils nous font tous pleurer. Et puis quand on pleure, c'est une autre façon d'aimer. Mais il ne faut pas pleurer trop longtemps. Mais, non. Non, il ne faut pas se noyer dans les pleurs. Mais je ne regrette rien. Vous pourriez chanter pour la ça, chanson d'Édith Pierre. Oui. Oui, et c'est pour ça que j'ai une forme de reconnaissance aux hommes qui m'ont aimé, même quand après, ils n'ont pas toujours été à la hauteur de l'émotion qu'ils avaient eue au début. Bon, alors, est-ce qu'on peut en parler? Il y a eu Jacques, votre premier mari. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 22 ans. Mais on sortait on se mariait pour sortir de chez soi. Du foyer. Hein? Puis moi, j'avais intérêt à sortir de chez moi parce que c'était invivable. Et qui est un garçon très, très gentil. D'ailleurs, quand j'ai voulu avoir mon annulation de Rome. J'ai eu l'annulation de Rome pour épouser mon Anglais, qui est catholique. J'ai été obligée de l'appeler. Il est devenu spécialiste de la sociologie en Chine. C'est un sinologue extraordinaire, sociologue de l'éducation spécialisée en Chine. Il a vécu en Chine beaucoup d'années. Et je l'ai appelé parce que j'étais sûre que si jamais... Je ne savais pas comment ça fonctionnait, que l'archevêché l'appelle pour dire « vous étiez marié avec elle ». Je voulais qu'il ne dise pas « ah oui, mais elle était formidable » et tout, parce que je savais qu'il ne dirait pas des choses négatives sur moi. Donc, je voulais m'assurer de pouvoir avoir la séparation pour faire plaisir à l'homme qui partage votre vie depuis... 18 ans. 18 On ans est marié depuis 18 Votre ans. Anglais. Mon anglais. À qui vous avez dédié... En fait, vous avez écrit un livre. Sur votre amour pour lui. Oui, j'ai écrit notre histoire un peu romancée. Dans l'anglais. Qui s'appelle l'anglais, oui. Très, très romantique comme histoire. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire, je le sais. Des fois, je le regarde, mais des fois, ça m'arrive souvent, je regarde, je me dis, mais c'est pas possible. En plus, je le trouve beau. Il est beau. Et puis, il y a ce côté un peu qui échappe aussi. Puis en même temps, tu sais, les Anglais, ils sont pas comme les Québécois, là. Faut que tu les fasses parler un peu des fois. Comment te sens-tu là? C'est pas évident. Ils sont très très réservés. Alors, mais moi ça me plaît.
Parce que moi, contrairement à beaucoup de femmes, et c'est ce que j'ai déjà dit dans les conférences aux femmes, mais n'essayez pas d'avoir des hommes qui sont comme vos amis. Vous ne voulez pas marier vos amis, ben, à moins d'être attiré par des femmes, mais vous ne voulez pas marier vos amis. Et moi, je ne veux pas d'un homme qui se comporte comme une femme, quoi. Qui se met à pleurer, qui est déprimé tout le temps, quand ça ne marche pas, puis qui se plaint. Je ne veux pas ça. J'aime ça, un homme qui se contient. Donc, entre ce premier mari et votre anglais, donc, il y a eu... À un moment donné, vous parlez d'un... Vous le nommez H. Oui. Un abbé qui aurait défroqué pour vous. Ben, c'est rien? Oui, il a carrément quitté les ordres, sans me le dire. Et après, il m'a téléphoné pour me dire qu'il venait d'aller voir l'évêque et qu'il lui avait dit. Et là, je dois dire que j'ai un peu paniqué. Et quand j'ai dit à ma mère que c'était un prêtre qui quittait parce que j'étais dans sa vie, enfin, dans son cœur à ce moment-là seulement, ma mère m'a dit, je pensais jamais que tu étais anticléricale comme ça. Parce que ma mère avait le sens de l'humour quand même. Ma mère était intelligente, là. C'est sûr. Et ça a été la passion de mes 20 ans, quoi. Quand même. Oui, et c'était... Oui. C'était très, très particulier. Et très intense. Ça, c'est sûr. C'est peu dire que nous montions au ciel. L'image parle d'elle-même. Donc, ensuite, il y a eu votre mari, bien sûr, Claude Sylvestre, oui. Qui était réalisateur à Radio-Canada. Oui, qui a été le réalisateur de Point de mire avec René Lévesque, et après qui a été responsable des émissions d'information, qui était une sorte de prince. C'était un homme très, très séduisant. Ça a été le père de mon fils. Guillaume. Et j'ai voulu avoir un enfant de lui. Et il m'a dit cette chose, parce qu'il y avait déjà 4 fils. Il m'a dit cette chose qu'un homme qui aime... la femme avec qui il est, dit, il m'a dit, je serais bien malvenue de dire que je t'aime comme je t'aime et de te refuser un enfant parce que tu as droit d'avoir un enfant. Ça n'a pas été compliqué, mais il voulait une fille. Mais ben oui, après 4 garçons. Mais quand le fils est arrivé, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il avait oublié qu'il pouvait avoir une fille. Mm. Et ça a été un papa poule, ça c'est sûr. Il a été certainement, puis je suis sûre que mes beaux-fils le penseraient, il a été plus présent au dernier fils qu'il l'a été quand il faisait sa carrière à travers le... D'ailleurs, il voyageait partout dans le monde pour Radio-Canada, les grands reportages des années, la fin des années 50, les années 60. Eh bien, il faisait ça avec les grands, avec Judy Jasmin, avec les grands journalistes de l'époque. Mm-hmm. Oui. Et donc, après, il y a eu, Lucien Bouchard. Oui. Dans les années 80, donc, alors qu'il était à Paris, c'est ça? Il était ambassadeur à Paris, oui, à donc, ce moment-là. Passion évanescente? Non, c'est une très grande passion, mais qui n'a pas existé dans la durée, parce que c'est trop épuisant, et puis parce qu'il y a des hommes qui... Vous savez, vivre avec une femme comme moi, libre, je ne correspond pas aux stéréotypes. Je ne correspondais pas non plus aux stéréotypes des femmes. Maintenant, il y en a plusieurs, maintenant, les femmes qui ont... Mais ce n'est pas tous les hommes qui, dans la vie au quotidien, peuvent vivre avec une femme comme ça. Donc, vous dites aucun regret, mais aucune peur non plus, jamais? Peur d'aimer? Peur en général, c'est le titre de votre livre. J'ai eu trop peur de mon père. J'ai eu trop peur. J'avais peur qu'il me tue. Simplement comme ça, à partir de... Moi, ma petite fille, elle a 3 ans. Elle a 3 ans et 4 mois. Je la voyais hier avec mon fils. Et puis c'est son papa. Puis je veux dire, je vois l'échange entre eux. Et je suis toujours émue de voir un père qui a un geste d'affection avec sa fille, encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à elle, Rose, votre petite fille, que vous dédiez ce livre. Oui. Puis elle m'a vue, elle voit sur la photo des fois, elle dit, « Mais c'est toi sa grand-maman? » J'ai dit oui. Mais elle comprend pas pourquoi tout le monde nous parle dans la rue. Alors, j'ai dit, mais parce que grand-maman, elle va à la télé des fois et tout. Bon,
Mais c'est pas son monde. Sa grand-maman, c'est pas quelqu'un qui est à la télé. C'est moi, quoi. Ben oui. Ouais. Et on fait des folies ensemble. Ça, c'est sûr. Et on joue aux mots. Ça, c'est évident. C'est fascinant. Denise, est-ce que vous avez compté combien de livres vous avez écrits? Mais je ne sais pas. Je pense que j'en ai 18, 20 peut-être. J'ai toujours... Mais je n'ai jamais travaillé. Mais encore maintenant, les gens me disent... Moi, quand les gens me disent « Vous ne prenez pas votre retraite », je dis « Pourquoi j'irais taper des balles de golf, puis après aller boire un gin tonic, puis m'endormir à 8 heures du soir? » Ma vie, ce n'est pas ça. Donc, est-ce qu'il y a un prochain livre? Bien là, avec la pandémie, je vais vous dire, beaucoup d'écrivains n'ont pas été capables d'écrire. Moi, je n'ai pas été capable de lire vraiment. J'ai lu tout ce qu'il fallait dans l'actualité, mais j'ai fait le test avec mes amis en France. C'est pareil. On est en train de changer de paradigme, c'est sûr. On est dans l'anormalité. Ce n'est pas normal de ne pas être des humains qui tendent les uns vers les autres, d'aller vers le livre. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, de se couper complètement. Moi, je ne peux pas me couper du monde dans lequel je vis. Donc, j'étais enfermée et j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis apporté des tonnes de livres que je voulais, relire. L'idiot de Dostoïevski, puis tous les livres toute la littérature russe que j'aime, Tolstoï et tout. Mais j'ai presque rien lu. Et pas écrit, donc. Et pas écrit. Et là, depuis à peu près un mois, j'ai commencé à me dire... j'ai commencé à laisser remonter... pardon. L'envie d'écrire. Roman? Je ne sais... Probablement, oui. Oui. Ben, on va l'attendre avec impatience. Mais je veux écrire aussi ce que je n'ai pas raconté. Moi, j'ai vécu des anecdotes extraordinaires avec des personnes à travers ma vie, là, des personnes connues. J'ai eu des moments... Tu sais, moi, j'ai passé j'ai eu des rencontres avec François Mitterrand, j'en ai eu avec Trudeau, j'en ai eu avec... en dehors de ma vie. Et je pense que je vais... parce que ce n'est pas des potinages que je vais raconter, parce que les potinages, ce n'est pas intéressant, mais des anecdotes qui révèlent les gens, ça, j'en ai. Et je me suis dit, tiens, tiens, parce que des fois, je le fais dans des dîners, là, je me mets à animer le dîner, là. Les gens disent, mais oui, mais pourquoi tu ne l'as pas écrit, ça? Mais je dis, peut-être, oui, effectivement. Puis c'est notre histoire, puis c'est des gens. Et comme moi, j'aime les gens, je vous dirais que même, j'aime les gens. Oui, j'aime pas les gens qui sont hargneux. J'aime pas les gens qui vivent dans le ressentiment. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que tu vis pas quand tu es dans le ressentiment. Mais j'aime les gens qui sont paradoxaux. J'aime les gens qui sont contradictoires. Mais il y a des types de comportements que je peux pas tolérer. Parce que je trouve que quand tu nais dans une... Et moi, j'ai le sentiment des classes sociales, j'ai la conscience des classes sociales. Quand tu nais dans une classe sociale où tu peux avoir accès déjà tout de suite à la connaissance, à la beauté, hein, à un confort, tu ne peux pas faire semblant à un moment donné, parce que tu te sens coupable de ça, pour toutes sortes de raisons, parce que tu es mal dans ta peau, tu ne peux pas faire semblant que tu n'es plus de ce monde-là. Moi, je ne renie pas la classe à laquelle j'appartiens de par ma naissance. D'ailleurs, ça a été ma force. Denise, on va cesser là-dessus. Ah. C'était vraiment très agréable, en espérant qu'une prochaine fois, ici même, on sera... Il y aura des gens. Avec ben, on espère, oui. Okay. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été là.